Eh bien, ça y est les amis, c'est Oxy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Alors comme d'habitude, je ne suis pas seul, je suis en compagnie de Christer. Hello everybody, bonjour tout le monde. Hello, hello. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Aujourd'hui, pas pour un data pack, mais pour un mod. Mesdames et messieurs, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, je vais transformer mes amis en animaux. On va voir comment ça va se passer. Oui, parce que littéralement, je pourrais pas transformer Simon en animal, mais tous mes amis, les animaux, pourraient les transformer en familiers. Vous allez voir, ça va devenir de vrais familiers. Ça sera pas juste des animaux comme ça qui vont faire des bébés et ça s'arrête là, après on les mange. Non, 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 tu vas voir, ça va être vraiment très rigolo. En tout cas les amis, avant que cette vidéo commence, je vous invite comme d'habitude à faire péter cette barre de like, à commenter et à partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. On approche très rapidement du 1 000 000 d'abonnés. On a déjà passé les 893 000, donc on se rapproche déjà des 900 000. Hein, je pense qu'on va les passer d'ici le début de semaine prochaine ou si on a de la chance fin de cette semaine. En tout cas les amis, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche, ce serait vraiment très très cool de votre part. Et bah, est-ce que tu veux une petite news Mathias? Ouais, vas-y. Plus que 5000 abonnés, on est aux 50 000. Oh GG, allez vous abonner à la chaîne de Simon. En tout cas bah Simon, du coup, on va pouvoir commencer à transformer les animaux en animaux. Les animaux en animaux. Ça va me faire trop marrer de dire ça. Donc il va falloir qu'on prenne un petit bâton, ainsi que les steaks qui sont dans notre coffre. Prends les steaks qui sont dans ton coffre. On pourra les transformer en animaux. Ah oui, ça aussi on va pouvoir. Mais déjà regarde, regarde, déjà on va commencer, tu vas faire clic droit sur ton lit. Hey, mon lit. Ah, ça fait de la musique. Oui, c'est bien vrai. Mais attends, pourquoi ça fonctionne pas? Attends, viens. Ouais, bah c'est ce qui a failli se passer, j'ai failli transformer la porte. Ok les gars, du coup c'est bon. Là normalement ça devrait fonctionner. Simon, prends ton bâton dans ta main et fais clic droit sur le lit. Oh yeah, on a notre premier pet, le bed pet. J'ai mon bed pet, Simon dismiss okay, living, sneak coup, and right click. Là je peux faire clic droit. Voilà. Oh ah non, c'est le mien qui était spawn, c'était pas le tien. Comment je fais pour le spawn? Tu fais sneak clic droit. Voilà. Regarde, c'est notre petit lit. Et donc du coup voilà, on a notre petit pet, hein, vraiment trop mignon. Donc maintenant on a notre lit de poche. Voilà, exactement, on a notre lit de poche qui nous suit partout, hein, parce qu'il nous suit. Ouais, mon petit. Allez, vas-y, calme. Là, pourquoi tu te déplaces pas plus, là? Bah, sûrement parce que c'est un lit. Suis-moi. Je pense que c'est parce que c'est un lit. Ouais, peut-être parce que c'est un lit, je sais pas. En tout cas, il veut pas, hein, il est pas content. Okay, donc la porte, on peut pas la transformer en... Ok, non, ouais, non, la porte, on peut pas. Par contre, on peut transformer nos autres blocs en familier. Ah, bah oui, ouais. Le coffre... Ah ouais, bah c'est parti pour le coffre, ok. Le chest pet qu'on peut... Ah, oh, t'as juste à faire clic droit et tu peux l'ouvrir. Ah, c'est génial. Du coup, t'as vu, c'est des petits pets qui nous donnent plein de petits bonus. Alors ouais, par exemple, on pourrait essayer le four, si ça te t'enchante, si ça te tente. Ouais, le four. Ouais. Allez, le four. Oh yeah, le fournace pet. Lui, il kiffe le charbon, c'est normal. Et smell first. Oh, ok. Alors, si je mets par exemple de l'or, est-ce qu'il va la cuire? Ah, attends, faudrait peut-être lui mettre du charbon. Ouais, si je lui mets du charbon. Oh yes! Oh, oui, il a fait cuire mon or! Excellent! Ah, c'est trop cool! Attends, je prends un petit or. Je prends un petit charbon. Ok, d'accord! C'est trop bien! C'est trop bien! Et en plus, il le fait instant, quoi! Ah ouais, c'est instantané! Ça, franchement, c'est stylé! Et donc, du coup, bah, je suppose que la table de craft, c'est le même délire. Crafting table, ouais, right click, et tu peux ouvrir ta table de craft. Alors ça, c'est quand même... Aussi, elle aussi, kiffe le bois. Elle aussi, elle kiffe le bois. Ça m'étonne pas. Oh, tu peux faire ça avec la torche. Ah. Je me suis dit, est-ce que c'est... Oh yes, torche pet. Oh, elle met le feu. Oh, waouh. Ah, mais c'est un briquet. Trop stylé. Qu'est-ce que ça mange, du charbon, ça, non? Ah ouais, du charbon. Ah, et après, elle peut placer des torches. Ah, tu peux en placer à l'infini? Ouais. Ah, mais c'est trop stylé. Par contre, faut lui donner un max de charbon à manger, quoi. Ah, c'est super. Elle est géniale, cette torche. Bon, bah, du coup, on va pouvoir tester les autres animaux. Qu'est-ce qu'on dit? Tout à fait. Hein, si on pesait un petit bouton. Le sheep. Oh, chipette. Donc, il a slow fall. Oh, ça, c'est bien. Give you wool. Ah, il vous donne de la laine. Et give item to girl. Sneak right click. Donne-moi slow fall. Là, ça va le faire. Aïe, non, il s'en fout. Le mouton est cassé. Le mouton est cassé, il donne pas ce qu'on veut, c'est pas grave, on a le cochon.
le cochon qui lui est vraiment bien. Il nous... saturation, okay. Voilà, exactement. Il nous permet de manger la nourriture empoisonnée. Il nous give des pork chops. Par contre, ça c'est bien parce que du coup, au bout d'un moment, il te file des côtelettes, genre ça va apparaître dans l'inventaire ou un truc du genre. D'accord, ok. Bah c'est stylé. Et ça, c'est vraiment stylé. Alors ensuite, on a... Ah ouais, et puis c'est quand même super pratique pour quand t'es en jeu, quoi, d'avoir ce petit cochon. Ah oui. Pour manger la nourriture. Ah oui, oui, oui. Regarde, gars. Là, on a les petits poulets. Et oui, il y a les petits poulets. Et eux, ils sont fun. Alors déjà, je kiffe parce que j'ai un fan... J'ai un familier poulet. J'ai un bébé poulet avec moi. C'est mon poulet. C'est le poulet. Il y a moi le poulet. Oh yes. Et en plus, il donne speed. Il donne speed. Bon, en tout cas, je suis trop content d'avoir mon poulet. Il me permet d'aller trop vite. Il est trop trop bien ce poulet. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas les poser avec nous et qu'ils nous suivent comme le lit et tout. Genre, le lit, c'est stylé de pouvoir le. Ça dépend. Regarde, attends, Mathias. Ouais. Pose deux enclumes. Deux enclumes? Ouais, pose deux enclumes. Ok. Là, tu vas être content. Tu vas vraiment être heureux. Ok, vas-y, récupère là. Ouais, ensuite, ouais. Sneak, clic droit. Oh yeah! Là, il te That's clique. My boy! Et il te répare. C'est mon enclume, il me répare. Ah oui, auto-repair. Damage item in inventory. Summon your... Ah, c'est génial. Voilà. Oh yes, ils me suivent. Ils sont avec moi. Boing, boing. Oh là, par contre, les creepers, faut faire attention. Ah là là, c'est super. Alors, attends, y a le lit aussi. Oh, le poulet, il m'a donné des... Il m'a give. Ouais, il m'a donné des œufs, le cochon, il m'a donné de la viande. Ah là là, par contre, du coup, ils ont tous faim. Bah oui, 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 c'est ce que je te disais, en fait, c'est quand tu les utilises qu'ils commencent à avoir faim. Oh, c'est trop génial. Mais du coup, on doit repasser en game mode quand même. Ouais. Attends, je récupère ma petite anvil et hop, mon game mode 1. Voilà. Voilà. C'est fait, c'est perfect. Et game mode 1. Et du donc coup, maintenant, j'ai envie d'essayer le fameux creeper. Oh yeah, le creeper. Alors déjà, il est stylé. Déjà, il est ultra stylé. Right click, explose. Et en plus, il nous immunise contre les explosions. Oh là là. Bang. Oh mon pote, bang! Oh là là! What? Oh là là! Allez, viens là! Oh! Oh là là! Oh, c'est trop stylé! Ah, oh, c'est génial! J'adore! Je creuse un puits! Ah, tu fais un. Ah, wow! Attends, je vais creuser à côté de toi, je vais me mettre là. Allez, c'est parti! Bang, 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 bang! Je descends, je descends! Waouh! Ah oui, t'es descendu très profond. Eh, remarque, c'est pas si profond que ça. Hein. J'aurais imaginé que c'était plus profond que ça. Ok! Stylé le creeper! Le creeper, dès qu'il y a un truc qui explose, nous, ça y est, c'est parti. Hein. On est on fire. C'est trop cool, j'ai kiffé le creeper. Lui, il est génial. J'ai bien apprécié aussi, j'ai bien apprécié. Ah ouais, c'était rigolo. Donc le poulet, on a déjà fait. Il nous reste la demoiselle, la petite vache. Je vais faire le dingue. T'as mis des vaches dans un enclos? Ouais. Et bah, je la prends même pas. Pourquoi? Ah oui, tu l'as déjà. Ouais. Oh, remove negative potion effect. Fill empty bucket with milk. Elle remplit automatiquement les seaux avec du lait. Et en plus, on peut pas avoir de mauvais effets de potion grâce à elle. Attends, je vais essayer. J'ai un seau vide. Tu veux pas le remplir? À mon avis, faut attendre un petit peu. C'est comme l'anvil, elle répare pas tes items instant. Ouais, si genre ouais, t'attends toutes les 5 secondes, elle répare un petit peu. Ah là 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 là, j'aurais bien aimé qu'elle répare tout de suite. Bah ouais, mais c'est un petit peu OP. Tu sais, ça reste des familiers hein, quand même, faut leur... Bah ouais, mais bon, là je la traîne, y'a rien qui sort quoi. Je la traîne, y'a rien qui sort. Eh ben Mathias, oui, 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 oui. Remets-toi en game mode 0. Ah, pardon, ouais, game mode 0. Aïe! Remove negative effect! Ah oui, ça y est. Allez, voilà, tu vois, t'es immunisé, Mathias. Et du coup, il nous reste un des derniers familiers. Bon, il y en a énormément, hein, les gars. Hein, c'est juste qu'on va pas tous les faire dans la vidéo. Mais là, on en a. Mais n'empêche que. Ils ont disparu! On en a plus! Les squids! Vas-y, bon, du coup, on a des nouveaux. Viens, attends, non, attends! Viens, on a des squids dans la piscine! C'est trop tard! Tu m'as trahi, Mathias! Tu viens là, s'il te plaît. Et on va attraper un petit squid. Hop! J'ai le mien! Ah, j'ai attrapé de la dirt! Tu peux transformer la dirt? Ah ouais! Turn cobble to dirt! Turn cobble to dirt, waouh! Oh! Regarde mais non!
suis sérieux, mon magnifique étang. Ok, donc ça, random attaque. Ça fait une random attaque. Oh, Mathias. Pourquoi je volais? Moi aussi, j'étais en train de m'envoler. Ah, Mathias, regarde. Qu'est-ce qui se passe? J'avais blindness. Mais en gros, ça fait une random attaque. Mais c'est quoi qui fait ça? Sneak clic droit de la dirt. C'est le sneak clic droit. Oh, waouh. Ah oui, d'accord. Ok. Sympa, ça, lévitation. Ah, quand même régène en même temps. Ok, super. Blindness et lévitation. Ah, mais il met que lévitation et régène. Ok, waouh. Comment ça fait trop bizarre. Laissez-moi descendre. Ok. Et à côté, on a le squid, hein, du coup. Le squid qui nous permet de respirer sous l'eau. Attends, mais j'ai l'impression que je vais super vite. Nous permet de voir sous l'eau, d'avoir une vitesse de nage plus rapide. Super vite. Ah ouais, Water Breathing 2. Et ouais, voilà. Oh, c'est comme Dolphin Grace, le truc. T'imagines, t'as ça plus Dolphin Grace. Et bah, tu vas très très vite. À des moments, ça donne des petits boosts. Par contre, pourquoi tout l'océan est en terre? Dis-moi, Simon, tu ne serais pas pour quelque chose? Je suis en train d'essayer de transformer tous les blocs. Non, c'est pas moi. Ou peut-être que ça l'a fait, mais c'était contre ma volonté. Vraiment. C'est trop stylé. Hé, hey, Mathias. Ouais. Je te parie que la canne à sucre, il y a moyen de la transformer. Peut-être, ouais, c'est possible. Faut essayer. Ah bah non, ça marche pas. Okay. Mais par contre, moi, je peux te garantir qu'on peut transformer de la cobblestone. Ah oui, il y a de fortes chances. Et ça tombe bien, il y en a juste là. Eh oui. Et bah non, il y en a plus. Une chance que j'ai récupéré de la cobble. Ah non, on peut pas transformer la cobble. Ah non, c'est la stone, ça veut dire. Par contre, le charbon et tout, tu peux. Ah tiens, là, il y a des minerais dans mon trou. La stone, normalement, tu peux. Ah, pourquoi je suis empoisonné? Alors, je peux pas pour l'or. What? J'ai plein d'effets négatifs. Ah ouais, sérieux? Je te promets, c'est pas moi. What the hell? C'est la dirt qui fait ça? Peut-être que c'est la dirt. Hein. Quand je marche sur la stone, je suis empoisonné et tout. Est-ce que toi tu aussi? Sur la stone, t'es empoisonné? Ouais. Ah ouais! Poison, slowness 3, mining, fatigue et weakness. T'as vu? Et je pense que c'est. Je pense que c'est la terre qui fait ça. Ah ouais, la terre. En fait, elle est pourrie, la terre. Elle est pourrie. La terre du pet, là. Parce que là, imaginons, je vais ici, du coup. Speed 4. Ah non, comme c'est ta terre à toi! Comme c'est toi qui l'as posée. Ah oui, oui. Speed 4, Strength, Ast 3. Mais c'est pas que quand c'est ta terre, en fait, ça te le donne à partir du moment où tu marches sur de la terre. Ah ouais. Et par contre, si tu marches sur de la cobble, du coup, ça te donne des mauvais effets. C'est pour ça, en fait, que tu peux la transformer en terre, la cobble. Eh oui. Ah, oh, c'est trop bien. Mais du coup, ça veut dire que ça doit être quand même hyper pratique si t'es dans une mine. Ah ouais, de fou. Bah ouais, en quelque sorte. Si t'es dans une mine, ça doit être trop bien. Ouais, par contre, c'est pas très gentil, ça. C'est mon nouveau familier. Tu le kiffes? C'est genre... ce genre de familier. Lequel? Ah bah non. Bah non, bah ça marche pas. T'as pris quoi comme familier? Ah, attends, regarde. Vas-y, je te regarde. Ah, ça m'a mis le spawn point ici, ok? Oui. Ah, regarde. Non mais regarde, Mathias. Ah, t'as pris la maison. Ça me TP à ma maison, ça fait ding dong à chaque fois. Oh! Oh! Mathias! Ouais? Et là? Oh, trop stylé! Nether? Monde normal! Ah! Nether? Monde normal! Waouh! C'est fou! Waouh! Ça te transporte d'un monde à l'autre, c'est génial! T'as vu ça? Il y a une forteresse! Ouais, en plus, ouais! Eh, hey, Mathias! Ouais? T'as vu le petit sapin? Oh. Petit sapin. C'est quoi qui a pété comme ça? Ah, il fonctionne uniquement entre le 14 et le 25 décembre. Ah. Parce qu'il te donne un cadeau automatiquement, en fait. Ah, ok, je vois. Je comprends mieux. C'était le ghast que tu avais. Oui. J'ai vu. Ah, Mathias. Oh. Ah, celui-là, qui donne régène. Groupe régénération. Ah, c'est pour ton groupe. C'est génial. J'ai régène pendant une... Regarde, je viens de trouver, j'ai pris le biome pet. J'ai pris le biome pet et il te permet... Régène. Il te permet le biome pet... De te téléporter au biome que tu veux. Ouais. Oh, attends. Il y en a un qui te permet de trouver des minerais. Ah, trop marrant. Tu sais, ça fait comme une sonde. Ouais, j'ai entendu, ouais. Attends, si je vais genre là... J'ai le Earth Pet et ça donne régénération au groupe. Ok, en fait, plus tu te rapproches des minerais, plus le bruit est fort. La banane. Oh, waouh. Ah, c'est trop stylé, il y a trop moyen de faire de la musique avec ça. T'es où? Regarde.
Attends. Je t'ai jeté des bananes. Oh, oh, quand ça te touche. Tchoum. Ah, ça s'éclate au sol. Ah, c'est trop marrant. Il me jette des bananes. Trop drôle. La banane. Le loot pète. Ah, t'as vu le Pac-Man pète. Oh. Apparemment, ça met des super dommages. Oh là là. Est-ce que ça mange? Je sais pas, en tout cas, ça fait du bordel, hein. Ah oui, de fou. Ça veut pas manger les animaux. C'est pas trop cool, ça. Le Wither Pet. Oh, attends. Quoi? Attends. Oh, oh, c'est l'Enderman. Oh là là, non, trop c'est stylé. Le squid. C'est le Silverfish. Ah, ok. Ah non, parce que là, j'ai l'Enderman. Traverse les murs. Oh, l'Enderman. Oh, regarde. Oh, wow. Le Silverfish. Attends. Allez. Waouh, comment c'est trop stylé. Ah, d'accord. Waouh, trop marrant. Trop marrant. J'adore. J'adhère. C'est super. Oh, ça les envoie en orbite. Mathias invoque des creepers. Oh, attends. C'est quoi ce bordel? C'est toi? C'est moi. J'ai invoqué le soleil. Ah, mais moi aussi. Oh, tout le monde se retrouve en orbite autour du soleil. C'est bien. Oh, c'est excellent. Tournez autour de moi. Attends, tu sais quoi? Je vais... Oh là là, c'est mon feu. Je vais me faire un scénario, Simon. Vas-y. Tu vas voir. Désactive ton soleil. Oh. Attends. Oh, regarde. C'est quoi? Bah viens voir. Attends. Je spawn. Attends, regarde. Ils font des 0 et des 1, c'est des lignes de code. Voilà. Je suis le soleil. C'est fou. Je règne sur l'univers et sur les différents mondes. Tout le monde me suit. Et se met en orbite autour de moi. Oh là là. Ah mais non, les objets aussi. Ah non. Mais merci. Non, ça c'est des monstres que j'ai invoqués, regarde-les. Oui, mais il y a des gunpowder aussi. Ils sont trop stylés tes monstres là. T'as vu ça? Je peux pas en invoquer plus. Bon, en tout cas, il est stylé ce petit soleil là. Ah ouais, par contre ils essayent de t'attaquer. Ils se tapent sur toi. Mais ils sont morts. Ah bah voilà. Par contre, ton soleil, il fait encore un max de bruit. Ouais. Ah, c'était stylé, t'en as pensé quoi, Simon? Franchement, j'ai adoré. Ah, ce mode est vraiment trop cool. C'était trop marrant. Bon, bah en tout cas, les amis, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, bien n'hésitez pas, comme d'habitude, à faire péter cette barre de likes, à commenter et à partager la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et bien sûr, me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram et ma chaîne secondaire. Tout s'affiche actuellement à l'écran et dans la description. En tout cas, comme d'habitude, si vous voulez en voir plus sur ce mode, je vous invite à aller sur la chaîne de Simon. Le lien est dans la description. Et bien sûr, abonnez-vous aussi à ma chaîne. On va passer les 900 000 dans les jours qui arrivent. Donc continuez de vous abonner et d'activer les petites notifications. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Sur ce, et bien allez, salut à tous, c'était Christer et Oxy. Goodbye, everybody. Salut tout le monde.